Placez un ballon contenant de l'acide acétique sur un chauffe-ballon et portez à ébullition. Retirez le ballon videz son contenu dans un bécher. Et bouchez le ballon à l'aide d'un bouchon muni d'une pipette Pasteur. Tenir le ballon avec des pinces, le retourner et le plonger dans le cristallisoire contenant du BBT et de l'eau du robinet. À température ambiante, le ballon se refroidit, ce qui diminue la pression à l'intérieur. L'eau est alors aspirée, ce qui diminue encore plus rapidement la température et donc la pression. Le BBT est un indicateur coloré acido-basique. Il est sous une forme bleue en milieu basique et jaune en milieu acide. En entrant dans le ballon, l'eau devient jaune à cause des vapeurs d'acide qui se solubilisent et des restes d'acide acétique sur les parois.